Salut à tous. Le spectacle s'annonce passionnant ici au Stade Vélodrome. En commentaire, ce sera Hervé Latou, votre serviteur. Messieurs, dames, bonjour. On va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre. L'Olympique de Marseille contre le Stade de Reims. Maintenant, je suis sûr qu'on va avoir de bons moments dans cette rencontre. J'ai vraiment hâte que ça commence. Dimitri Payet qui devrait avoir un rôle important à jouer dans cette équipe aujourd'hui. C'est parti avec le coup d'envoi donné par l'OM. Boubacar Camara. Dimitri Payet. Les Marseillais à l'attaque. Oh, le bon ballon contré. Un danger qui s'écarte avec ce long dégagement. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Ralenti de cette action, parfaitement conclu. Le petit dribble pour s'offrir un dernier duel face au but. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ajuster. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Duel pour la possession. Il n'y a personne sur les côtés. L'OM qui va pouvoir développer son action. Avec du monde pour reprendre ce centre. Ah, le mauvais dégagement là. Attention. Oui, attention. Ouais, il ne faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et cette tête qui ne donnera rien. Bien gêné par le travail défensif. Ça part bien, action dangereuse. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Milik. Et la faute signalée par l'arbitre, c'est un coup franc pour les Marseillais. Arkadiusz Milik. Et non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Cherche une solution. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon qui est récupéré par la défense qui ne sait pas trop qu'en faire. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Un tacle plein de dureté et d'intensité. Il récupère le ballon. Ah ouais, bien défendu. Allez, il continue. Paul Lirola. Ouais, bien pris la défense. On va le récupérer le ballon. Le gardien, c'est pas fini. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. Ouais, il perfore la défense. Ouais, magnifique, hein, le duel bien négocié dans les buts. Bien joué. Payet vers le point de pénalty. C'est un corner qui ne va rien donner. Il continue sa progression. Et le corner. Allez, pour faire le break, pourquoi pas. Attention à ce corner bien tiré par Dimitri Payet.
Oh, la tête complètement ratée. La passe est coupée, bien défendue. Arkadiusz Milik. Et cette fois, c'est dans les buts qu'on a eu le dernier mot. Ça ne sera pas tout de suite pour le doublé. Il s'échappe. Ouais, très beau tacle, hein. Il a sûrement évité une grosse occasion de but. On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Binder. Pour Milik. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Début à l'instant de la seconde période. La passe est mal assurée, c'est une interception. Les Marseillais à l'attaque. Allez, oui, il va y aller. Oh oui, le but! Et il marque encore et il creuse l'écart avec ce but. On voit le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Et ensuite, c'est le talent hein, qui fait le reste. Son excellent placement. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Ah, le ballon est perdu. Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. Ah, c'est l'équipe locale hein, qui monopolise un petit peu le ballon. Par hasard, hein, si l'équipe mène au score. Dès que le ballon arrive à 30 mètres du but d'attaque. Plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Il y a deux joueurs qui vont rentrer. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Ouais, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Ouais, la tête est sans danger. Hein. Assez difficile quand il y a autant d'adversaires autour. Il porte le ballon. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Dimitri Payet. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Oh, la grosse occasion pour Dimitri Payet. Pas de souci pour le gardien. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ouais, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Moreto Cassana. Ouais, le tacle, superbe geste. Il a sauté pour éviter le tacle du défenseur. Et la faute signalée par l'arbitre, c'est un coup franc pour les Marseillais. Allez, il y a de l'espace devant lui.
Ouais, le but de Dimitri Payet. On revoit ce raid solitaire. Le ballon qui lui colle au pied. Les appuis sont excellents. C'est vrai que la défense peut paraître un peu passive, mais il n'y a rien à faire face à ce talent. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Le numéro 10, Dimitri Payet. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Thomas Paquet. Ah non, il rentre le ballon à l'adversaire là. En position idéale pour centrer. Valentin Rogier. Dimitri Payet. Le ballon dans les pieds de Payet. Le centre. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Je crois que tout le monde a compris que le match ne peut plus échapper à cette équipe qui a largement dominé cette partie. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. Ouais, magnifique, hein, le duel bien négocié dans les buts. Bien joué. Il va y avoir un remplacement. Ouais, bien tiré ce corner. Thomas Paquet. La dernière minute du temps réglementaire. Récupération et peut-être une action dangereuse. Et c'est un but. Ça pourrait être le but du chaos. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin du match. Une victoire pour l'Olympique de Marseille. La victoire